Bon, aujourd'hui, pose d'un nouveau strat. Donc, je me suis aligné au carrelage qui est là-bas. Un poteau, deux poteaux. Et on va avoir tout ça à faire. Donc, les marches d'escalier, tout ça en parquet. Là, ça retourne. Pareil en parquet. De l'autre côté, idem. Là, pareil, tout en diagonale. Encore des escaliers avec des marches et des nids de marche, et on terminera par cette grande pièce qui va donner sur une salle de bain et un toilette. Allez, on s'y met. À bientôt les amis. Voilà ce que ça donne après tracé, donc qui est en photo juste avant. Donc, on tourne autour du poteau IPM. Après, on fera juste un petit joint silicone pour finir, soit couleur chêne, soit couleur noire, on va voir. Allez, je continue, il y a encore du boulot. Salut les amis, bon, aujourd'hui comme je vous avais expliqué hier, donc là je vais positionner un rail qui va être ici, pareil sur les autres marches, je vais faire pareil partout, par à droite à gauche. Ensuite on va avoir une joue qu'il va falloir que je trace en dessous. Le nez de marche qui va venir s'emboîter directement dessus. Le parquet qui va venir comme ceci. Et la barre de ceux qui va venir emboîter tout l'ensemble. Donc ça va pas être une partie de plaisir. Il y a quand même 6 ou 7 marches à faire. Et il y en a certaines qui ne sont pas rectifiées par le maçon. Ça n'a pas été génial. Donc il va falloir que je m'emmerde un petit peu et essayer de rattraper tout ça. Donc voilà, je vous ferai des petites photos par la suite. Allez, bonne journée à tous. Salut. Donc voilà la suite. Donc là, j'ai fait ma découpe de mon poteau. Là, j'ai une coupe à 45. Donc celle-ci vient comme ça. Là, celle-ci, elle est en 2 x 45. Elle va venir. Hop, là. Voilà. Voilà ce que ça va donner, c'est pas collé, donc là ici coupé à 45, ici coupé à 45, là faut que je réajuste, et après on va avoir hop, le nez de marche qui va venir comme ceci devant, avec lui aussi une coupe à 45 pour rattraper cet angle là. C'est pas évident, c'est beaucoup de calculs pour pas forcément grand chose malheureusement, et après bon bah là il va falloir qu'on fasse justement une coupe pour que je puisse raccorder l'autre lame dans l'autre sens, pour que tout reste pareil à droite à gauche. Donc là c'est pas évident, il me reste encore une là-bas à faire, les deux petites idem ici, une autre là-bas, et la quatrième qui vient en bout de ligne avec le palier et encore une chambre. C'est pas évident, allez on continue. Bon alors voilà la suite. Là donc ici on a une coupe, on a 1 cm de dévers. Donc là j'ai tout remis d'équerre. Là donc voilà, ça donne une coupe super terrible. Là c'est déjà collé, celle-ci elle est collée. Là ici c'est pareil. Donc là idem, une coupe à la voile again. Là sur ma coupe, pareil de chaque côté. Voilà, là. Hop. Là, hop, voilà ce que ça donne en étant fini. Donc là on a une coupe bien propre avec un bel ongle. Après j'ai mon nez de marche qui vient devant, et là ici voilà, avec la colle et le système, voilà ce que ça va donner. Ça va faire exactement identique. Et après, bah, j'ai toute la découpe ici à faire. Et on continue jusqu'en haut. On répète l'opération plusieurs fois. Allez, on continue, c'est pas fini. Allez, c'est parti. Là. On est OK. Tu as rien besoin pendant que je suis à l'OTI ou quoi? Non, c'est bon. Sûr, certain. Impeccable. Je vais aller en vitesse. Oh.
J'en avais un ce matin.